нацизм с детства. Детский лагерь. Версия нацбатальона Азов. Monsieur, dame, bonjour, Pierre Leprof, vulgarisateur, ma 137e, et un beau bonjour spécial aujourd'hui aux jeunes. Le message leur est dédié, tout spécialement, les jeunes du Québec et de partout. Des jeunes qui vont entendre ce message-là par l'entremise de leurs parents, possiblement, ou qui vont décider de regarder, de visionner cette capsule pour faire changement et entendre une autre version par rapport à la situation de l'Ukraine. J'ai un de mes commentateurs, Yvan, qui me dit récemment, j'ai un garçon de 15 ans, une fille de 13 ans, et ma fille en rentrant d'école me dit, tu sais papa, tu ne peux pas justifier que la Russie n'est pas responsable de toute cette guerre en Ukraine. Le message aujourd'hui est dédié à tous les Maximes et à toutes les Sarakims du Québec et de partout ailleurs. Il est temps qu'on vous expose à la vérité, toute la vérité, les deux côtés de la médaille, et qu'on balance un petit peu le lot d'inepties que vous recevez à l'école. D'abord, il faut vous dire tout de suite là, que la nature du conflit entre l'Ukraine et la Russie n'est pas d'hier, là, ça fait longtemps que ça dure. L'Ukraine est un pays qui est en guerre déjà avec lui-même depuis longtemps. Et ça, c'est dû en grande partie au fait que des gens de l'extérieur, des influences extérieures, essayent de s'accaparer les ressources et les richesses naturelles de ce pays-là et des alentours. Alors, c'est toujours une question de sous. Et puis, ça ne concerne pas juste les Ukrainiens, malheureusement. En Ukraine, il y a deux populations. Okay? Il y a la population des Ukrainiens de souche, qui ont toujours fait partie de la Russie avant la chute de l'Union soviétique. Et il y a les Ukrainiens qui parlent le russe. On appelle ça des russophones. Alors, les russophones, c'est comme nous, les Québécois, qu'on appelle des francophones d'Amérique. Okay? Alors, imaginez-vous si, du jour au lendemain, vous deviez placarder toutes vos fenêtres dans vos maisons parce que des gens qui viennent d'Ottawa se mettent à tirer dans les rues à bout portant, à assassiner du monde, et ainsi de suite. Imaginez-vous la tristesse dans laquelle vous vivriez. Imaginez-vous l'ambiance que ça créerait. Mais c'est exactement ça qui se produit en Ukraine présentement. Il y a eu jusqu'à 15 000 morts dans les 10 dernières années, 4 026 du côté des Ukrainiens de souche et 11 ou 12 000 du côté des Ukrainiens russophones. Alors, ils sont dans la même situation que nous, les russophones. Ils veulent conserver leur langue, leur culture, en d'autres mots, ce qu'on appelle la souveraineté. On doit vous informer aussi qu'en Ukraine, il y a un groupe de mercenaires très dangereux. On les appelle des mercenaires, là, mais c'est des gens de l'armée Ukraine. On les appelle le groupe Azov. Le groupe Azov, c'est 6000 soldats qui se vantent et qui sont fiers d'avoir des allégeances nazies ou néo-nazies. En fait, ils ont un historique nazi. Et les gens qui sont à la tête de ce régiment-là ont déjà été des nazis qui, on va dire, se sont réhabilités, là, mais continuent à démontrer les mêmes tours de force, la même violence envers les Ukrainiens, et on ne peut pas leur faire confiance. D'ailleurs, leur influence sur les jeunes est très réelle, et si vous ne faites pas attention, les jeunes, à ce qu'on on essaie de faire avec vous présentement, vous allez ressembler à ces jeunes Ukrainiens, malheureusement, qui sont en train de tomber sur le mauvais bord. Le groupe Azov. Donc, les jeunes, vous êtes des proies faciles, pas parce que vous êtes stupides ou parce que vous n'êtes pas intelligents. Au contraire, les jeunes, vous êtes des libres penseurs naturels. Okay? Quand on pense à un jeune, on pense à la liberté qu'un jeune aime sentir, aime éprouver, aime exercer. Choses qu'ont abandonné bien des adultes qui sont responsables de vous ou en autorité sur vous. Alors, c'est à vous que je m'adresse, les libres penseurs. Et puis, à ce compte-là,
je vais vous dire, les libres penseurs, avant de brandir un petit drapeau jaune et bleu, il va falloir penser à d'autres choses, là. Parce que brandir un drapeau jaune et bleu, c'est pas brandir un drapeau pour la justice et la liberté pour les Ukrainiens. Au contraire, ça fait partie du mensonge et de l'hypocrisie. Donc, les jeunes, vous avez le choix d'appartenir à un de trois groupes. Okay? Le premier groupe, c'est le groupe des libres penseurs, des gens qui peuvent se forger leur propre idée, faire leur propre opinion, exprimer leurs opinions, pas avoir peur de parler, pas avoir peur de dire à leur enseignante, je suis pas d'accord avec toi ou as-tu considéré telle autre chose là dont tu ne nous parles pas. Постановочные фото с оружием. Задача показать миру, даже дети готовы бороться до последнего. Alors, le groupe des libres penseurs, c'est vous que je veux, c'est à vous que je tends la main, c'est à vous que nous tendons tous la main présentement, les gens du Québec qui sont plus éveillés là. Alors, le deuxième groupe dans lequel vous pouvez appartenir, par exemple, c'est le groupe des complices. Alors, allez-vous être complice de ce mensonge, de cette désinformation, comme certains jeunes Ukrainiens font présentement, là. Parce que les Ukrainiens, les jeunes Ukrainiens, dites-vous, là, qui ne veulent pas être en guerre avec les Ukrainiens qui parlent le russe, là, les russophones. Non, non, les russophones, les Ukrainiens russophones et les Ukrainiens de souche s'entendent très bien. Ils se rencontrent dans des compétitions sportives, sont dans les mêmes équipes de hockey, de rugby, là, peu importe. Les jeunes s'entendent ensemble bien de façon naturelle. Mais malheureusement, on va essayer de convaincre certains jeunes d'haïr un autre groupe de jeunes. Alors, les complices font ça volontairement parce qu'ils ont de l'argent à faire là-dedans, ils ont des intérêts. Ici, vous avez des parents qui sont peut-être médecins ou enseignants qui ont peur d'avoir des représailles. Alors, ils ne vous diront jamais la vérité. Ils vont vous dire, fais comme le gouvernement t'a dit, puis prends un petit drapeau jaune et bleu. Воспитание ненависти к русским на протяжении многих лет. С самого раннего возраста. Les trolls qui vous insultent aussi puis qui essaient de vous intimider à l'école, ce sont des complices. Eux ont toujours fait partie du groupe des complices. Ils ne veulent pas que vous soyez heureux, ils ne veulent pas que vous soyez des libres penseurs. Non, vous les menacez. Ils veulent vous bousculer, ils veulent être des bullies, faire du bullying, là. Puis le troisième groupe, c'est quoi? Libres penseurs, complices. Le troisième groupe, c'est le groupe des otages. OK? Alors, est-ce que c'est de ce groupe-là que vous faites partie? Les otages, ça veut dire qu'on fait de la pression sur vous. Vous n'avez pas le choix. On vous fait sentir que vous n'avez pas le choix. On vous bloque, on vous intimide. Vous êtes des victimes là-dedans. Vous n'avez pas le choix. On va essayer de vous recruter comme complice. OK? Vous n'avez pas encore décidé d'être des complices. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez un choix à faire, les otages, présentement. Devenir des complices ou rester des libres penseurs. OK? Vous me suivez, là? C'est à peu près ça, la leçon d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut éviter de faire quand on est un libre penseur, c'est tomber dans le piège de la division. OK? Penser que l'autre, c'est le méchant, c'est le pas bon, que nous autres, on est plus vertueux, qu'on n'a rien à se reprocher. OK? Et il faut se mettre à haïr l'autre, le démoniser, le faire sentir coupable, lui dire que c'est lui qui est responsable de tout et de pas voir notre propre participation dans l'échafaudage de la violence. Alors, c'est ça qu'il faut éviter, le piège de la division. Alors, par rapport à l'Ukraine, vous devez savoir, là, on va essayer de vous faire croire que la violence qui se produit dans l'est de l'Ukraine, là, tout le long de la frontière russe, c'est-à-dire dans les régions du Donbass, de Luhansk, de Donetsk. Ce sont toutes des villes, des régions, là. Il y a deux républiques qui veulent se former, la République de Donetsk puis la République de Luhansk, qui sont comme les Québécois qui veulent préserver leur culture, leur souveraineté. Alors, c'est eux qui subissent la violence. Mais on va essayer de vous faire croire que la violence qui est perpétrée dans ces régions-là, ce sont l'œuvre des Russes. C'est à cause des Russes, là. Quand il n'en est rien. Cette violence-là est perpétrée par des Ukrainiens qui, présentement, travaillent
à la solde du nouvel ordre mondial. Encore un autre mensonge qu'on va essayer de vous passer, là, c'est que le nouvel ordre mondial, c'est la Russie et la Chine qui sont en train de faire un team ensemble là, en ce moment. Là. Bien sûr, c'est ça qui va arriver. Mais sachez que le nouvel ordre mondial, ce sont les Américains, le Canada, les pays d'Europe qui veulent s'accaparer des richesses et des ressources de l'Ukraine. Okay? Ce sont eux, le nouvel ordre mondial. Ce sont eux qui nourrissent la dissension puis la haine. Beaucoup parmi nous voyons ça. Et nous avons le devoir de vous dire, les jeunes, ne tombez pas dans la division. Nous sommes tous les deux responsables, nous sommes tous les deux coupables de la guerre en Ukraine présentement, et nous sommes tous les deux responsables de rétablir la paix en Ukraine. Mais ce n'est pas en démonisant M. Poutine et la Russie qu'on va y arriver. Ce n'est pas en brandissant des petits drapeaux jaunes et rouges, jaunes et bleus, pardon, que vous allez montrer votre bonne foi. Non, au contraire. Ça, c'est dire les russophones de l'Ukraine n'existent pas. Qui retournent en Russie, on ne veut plus leur voir la face. C'est pas comme ça que la paix va se réaliser. Ces gens-là veulent s'entendre. Ils veulent vivre en harmonie ensemble. Alors, nos écoles du Québec là, et leurs enseignantes, présentement, vous diront jamais la vérité, n'auront jamais l'honnêteté. Ni le courage de vous dévoiler toutes ces vérités-là dont je vous parle dans la capsule aujourd'hui. Sinon, mettez-le au défi d'écouter ma capsule, OK? Puis mettez-le au défi de répondre aux points que j'ai apportés aujourd'hui puis de les démentir. Puis les enseignantes, je vous attends, OK? Je vous attends de venir me contredire sur quelques points que j'ai dit à nos jeunes aujourd'hui. Je vous attends avec une brique puis un fanal, comme on dit. Vous allez avoir quelqu'un à votre pointure. Moi, je suis un ex-enseignant, puis je connais les problèmes du réseau scolaire québécois en ce moment. Je me désole de la disparition des hommes dans nos écoles. Je me désole d'entendre des jeunes garçons me dire « On est toujours recalés au deuxième plan, puis on n'a pas les mêmes droits que les filles ont. » Alors, je suis tanné d'entendre ça. Je le sais, ce qui ne va pas dans les écoles du Québec. Et je sais qu'il y a des opportunistes parmi vous qui vont profiter de la situation pour mettre des œillères à nos jeunes puis les empêcher d'être des libres penseurs. Vous allez leur donner des formules déjà toutes cuites qu'ils doivent mastiquer et digérer devant vous sans aucun autre choix. Alors, vos enseignantes vont taire la présence de bases militaires dans l'Est de l'Europe. Ils vont taire la présence de laboratoires de bioterrorisme présentement qui indisposent grandement le peuple russe et M. Poutine. Alors, chose qu'on ferait nous autres ici. Vos enseignantes vont taire ces choses-là. Ils vont taire la présence des mercenaires qui violentent les russophones présentement. Ils vont taire le fait que le Canada et les États-Unis présentement sont complices de ces atrocités-là en envoyant de l'argent et de l'armement plutôt que d'encourager des solutions diplomatiques entre ces gens-là. Non, on a vu la chicane, puis on veut la nourrir, la chicane. Vos enseignantes ne vous le diront pas. Mais je vous dis ça, il y a peut-être, vous en avez peut-être des enseignantes qui sont plus honnêtes et puis qui déjà vous donnent l'autre côté de la médaille, là. Alors, vous saurez déterminer qui vous permet d'être des libres penseurs et qui vous empêche de l'être. Julie Snyder va peut-être vous inviter à son émission aussi pour venir vous faire brandir des petits drapeaux jaunes et bleus, là. Allez-vous tomber dans le panneau, encore une fois? Allez-vous vous laisser utiliser puis manipuler comme des guignols? Est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Ah oui, hein? Wow. On dirait que j'essaie de riller, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui ne veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh! Oui. Oui! S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se donnent et qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Alors, c'est ça. C'est toujours le cocktail habituel là, qu'on vous propose avec les ingrédients suivants. Les ingrédients, c'est la peur de l'autre,
la démonisation d'un adversaire, se montrer plus vertueux qu'on est en réalité, créer des distractions puis des diversions, vous amuser, vous donner des Game Boy puis des du sport puis vous permettre d'enlever la couche qu'on vous met dans la face depuis 2 ans pour vous faire croire que vous êtes des libres penseurs et que vous vivez dans la liberté. Alors c'est ça, le cocktail est toujours le même et moi ce que j'ai à vous dire c'est que vous n'avez pas à brandir des petits drapeaux jaunes et bleus. Les Ukrainiens du Canada aussi, vous savez qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens au Canada. On appelle ça la diaspora, ok, ukrainienne. Alors, cette diaspora, présentement, aussi, est vite pour se plaindre, là, puis crier au meurtre contre M. Poutine et tout ça. Parce qu'ils ont adopté un mode de vie occidental qui leur donne toutes sortes de petits sucres, de petites carottes, là. Mais regardez à quel point nos jeunes sont moins disciplinés et puis perdent le sens puis les valeurs dans leur vie. Alors, c'est pas nécessairement mieux ici. Mais les Ukrainiens qui brandissent juste un drapeau présentement sont des complices. Au même titre que vous, si vous ne considérez pas d'autres couleurs. OK? Ce que j'essaie de vous dire, là, c'est que c'est pas un drapeau jaune et bleu que vous devez brandir dorénavant. C'est un drapeau jaune, bleu, rouge et blanc. Vous devez ajouter les couleurs de la Russie là-dedans si vraiment votre cœur est à la bonne place et puis vous souhaitez vraiment rétablir la paix en Ukraine. OK? Vous allez brandir les deux drapeaux dorénavant. Alors, vous allez montrer par le fait même que vous êtes des libres penseurs, que vous considérez les deux côtés de la médaille, que vous encouragez les solutions diplomatiques et la bonne entente, pas l'armement et la force contre des gens qui veulent la même chose que nous, finalement, la souveraineté. Donc, ce n'est pas les couleurs jaune et bleu qui doivent prédominer dans les prochaines semaines. C'est plutôt une courte pointe des couleurs de tous les drapeaux du monde et de toutes les nations qui ont souffert déjà beaucoup des invasions et des incursions de ces oligarques, de ces investisseurs, de ces colonisateurs, de ces développeurs immobiliers et autres, de ces industriels qui se foutent des mondes, qui se sacrent des gens de l'Ukraine, qui cherchent juste à faire des affaires avec eux et à contrôler leur pays. Alors, merci les jeunes d'avoir écouté. Merci les parents de leur faire le message, plus que jamais, là. Et merci à ceux qui me commente, me remercie de mettre des chansons à la fin de mes capsules. Écoutez, mais les statistiques me disent que seulement 10 à 20% de vous qui se rendez jusqu'à la fin de la chanson, OK? C'est pas beaucoup. C'est dire, là, il y a au moins 80% d'entre vous, là, dès que la chanson commence, là, ils arrêtent. Alors moi, Pierre le prof, j'ai pas juste été prof dans la vie, j'ai été un musicien, un artiste. Et chanter pour moi, c'est juste une autre façon de montrer aux gens autour de moi, je ne me tairai pas. Alors, il faut le prendre comme ça. Donc, l'amour n'est pas jaune et bleu, messieurs, dames, jeunes hommes et jeunes femmes, jeunes filles qui écoutaient ma capsule. L'amour est multicolore et on peut réduire ça à la couleur bleue, si vous voulez, qui sont les couleurs du Québec aussi, dont on est fier. Le bleu est partout. Le bleu, c'est une belle couleur. Pensez à tout ça, là. Mijotez ça. Revenez-moi dans vos commentaires. Et si vous avez la chance de faire commenter vos jeunes sur ma chaîne, je serais bien curieux de voir le succès que ça a eu. Alors, bonne semaine. On se revoit plus tôt. On va se reparler dans quelques heures de la situation, de la réalité là, sur la présence des laboratoires de bioterrorisme et de la présence des nazis en Ukraine, choses qui ont été niées jusqu'à maintenant, mais dont on a la preuve présentement et qu'on est capable de détailler avec force. Au revoir.
l'amour est doux. Douce ma vie dans tes bras. Doux, doux, l'amour est doux. Douce ma vie près de toi. Bleu, bleu, l'amour est bleu. Berce mon cœur amoureux. Bleu, bleu, l'amour est bleu. Bleu comme le ciel qui joue dans tes yeux. Comme l'eau qui court, moi, mon cœur court après ton amour. Gris, gris, l'amour est gris. Pleure mon cœur lorsque tu t'en vas. Gris, gris, le ciel est gris. Tombe la pluie quand tu n'es plus là. Le vent gémit. Pleure le vent lorsque tu tombes. Le vent maudit. Pleure mon cœur quand tu n'es plus là. Lorsque tu reviens, bleu, bleu, l'amour est bleu. L'amour est bleu quand tu prends ma main.